Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing Diamond Painting. Alors unboxing alors d'une boutique GBFKE, voilà, facile à retenir hein. Donc c'est une boutique qui m'a approchée sournoisement pour que je puisse montrer quelques articles de leur boutique, bien sûr. Donc du Diamond Painting, ça vous l'auriez deviné. Alors là, il y a eu une petite différence par rapport aux autres boutiques. Ils m'ont demandé les thèmes que j'aimais. Donc j'ai dit ce que j'aimais. Voilà. Bête et disciplinée. Et ils m'ont envoyé des kits de leur choix. Donc, j'ai déjà eu les photos par email. Ils me les ont envoyées par email. Donc, ça va. Je suis rassurée. C'est des choses que je peux aimer, plus ou moins, certes, suivant les kits, puisque là, il y en a plusieurs. Mais donc là, ça change des autres boutiques qui nous laissent choisir ce que l'on aime. Là, c'est eux qui choisissent. Pas de problème pour moi. Alors, le contact a été pris le 14 septembre et on est le 24 septembre aujourd'hui, donc faites le calcul, 10 jours, voilà, 10 jours pour recevoir mon petit paquet. Donc ça a été très très vite, je m'étais étonnée ce midi, c'est mon mari qui était à la boîte aux lettres, je le vois revenir avec un paquet. Je sais quoi, ça. De où ça vient? De qui? De quoi? Je ne pensais pas le recevoir aussi vite. Mais du coup, 10 jours, ça a mis. Donc, très, très bien. Déjà, très bon point pour eux. Alors, je vous redis le nom de la boutique quand même. Hein, donc, c'est bien GBFKE. Donc, je lis mon papier, hein, parce que... pour ne pas me tromper... Alors, ils m'ont envoyé 1, 2, 3, 4 kits. Voilà. Bon, pour une fois, ce n'est pas non plus... comme ce n'est pas moi qui ai choisi... il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Pour une fois, ce n'est pas des grands kits. Voilà, je vous montre. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est des petits kits ou moyens. Je ne sais plus exactement les tailles. On va voir en déballant. Mais bon, c'est rien. Hein. C'est pas grave. Ça ira plus vite à faire. Alors, du coup, on va commencer par le premier, là. Je vais mettre là les autres sur le côté. Alors, comme d'habitude, je vous remettrai en barre d'infos les liens des kits, le lien de la boutique, voilà, etc., etc. Maintenant, vous avez l'habitude avec moi. Alors, je me mets à contre-jour hein, pour ne pas couper le kit. Ce serait ballot. Alors, tic, là, c'est bon, je peux couper. Oui, ce serait ballot que je coupe dans le kit. Donc, c'est une enveloppe bulle hein, et il n'y a plus rien. Donc là, il n'y a pas de protection en plastique, mais bon, il était déjà bien dans une enveloppe bulle. Donc, il était déjà bien protégé. Alors, celui-ci, c'est... avec mes petits yeux... Ah oui. Donc, je vais vous remettre... Parce que là, les images sont petites... je vais vous remettre les images hein, des kits. Alors, ici, c'est un 30-30.
Bon, il va aller très vite à faire. J'ai 30-30, mais j'ai quand même 24 couleurs. Donc, il y a quand même beaucoup de couleurs. Et on va dire qu'il est sur le thème d'Halloween. Voilà, alors, on va essayer que ça ne brille pas trop. Un minou, un petit minou avec un chapeau. Alors, au-dessus de sa tête, ouais, c'est une chauve-souris. Ouais, ça ressemble à une chauve-souris avec des citrouilles. Voilà. Bon, vous verrez mieux avec l'image hein, que je vais vous mettre juste après. Voilà. Alors, il est en perle ronde. Donc, il y a le petit kit qui va bien, comme toujours. Donc, je vous montre. Voilà, donc les 24 couleurs. Hein. Donc, on a là le 1, 2, 3, 4, 5, comme j'aime bien, les petits symboles. Et ici, on a les références DMC pour les couleurs. Et on l'a encore de l'autre côté. Voilà, on l'a deux fois. Pas de feuille de route. Donc, celle qui aime avoir la feuille de route, ben, il n'y en a pas. Voilà. Tant pis pour vous. J'aime bien rigoler avec ça. Alors. Hop. Donc, je disais donc, c'est des perles rondes. Non, on va commencer par la fin, hein, c'est rien. Donc, voilà les couleurs. Alors là, bien sûr, il y a du noir, hein, on ne peut pas y échapper. Ouais, le 310, ouais, il y a du noir, hein, sur le thème d'Halloween, de toute façon. Halloween sans du noir, c'est pas Halloween. Donc voilà les couleurs. Du rouge, encore un autre rouge. Désolée, ça brille un peu, mais... C'est du plastique, hein, donc du orange, bien sûr, encore un orange, un autre rouge, voilà, le paquet de noir ici. Et voilà, donc voilà nos 24 couleurs. Ah, il y a encore un petit peu ici, excusez-moi, il y en avait encore là. Voilà, et voilà. Donc, il n'y a pas de je vois pas de déchets, je vois quand même pas de poussière de perles hein, dans les perles. Ça m'a l'air très propre. Donc, on verra l'usage, hein, de toute façon. Hop, hop, voilà. Je remets tout de suite dedans, dans le sachet. Alors, désolé pour le bruit. Parce que je ne veux pas mélanger. Ouh, le bruit, le bruit, le bruit. Ouh, que ça nous casse les oreilles, le bruit du plastique. Hop, voilà, ça y est. Donc, un petit 30-30. Bon. Donc, 30-30, comme d'habitude, c'est la toile. En réalité, le kit, l'image fait 24,5. Voilà, un peu plus. Un petit peu plus de 24,5. Voilà. Bon. Un joli minou avec son joli chapeau. Et voilà. Donc le premier. On va mettre son petit kit dedans.
Je vais le marquer tout de suite, comme ça. Non, c'est pas celui-là de feutre que je veux. Je ne veux pas celui-là. Je veux celui-là. Oui. Alors, GBF. K-E. Halloween. Je crois qu'Halloween, c'est bon. Je serai le chat. Voilà. Comme ça, moi, quand je les range, je sais tout de suite ce que c'est. Ensuite, au suivant. Alors. Donc. Ah, il m'a l'air un peu plus serré celui-là. Donc, qu'est-ce que c'est que celui-ci? Ah oui. Alors, celui-là est plus grand. Oh, chouette, c'est avec des strass. Ah, cool. Cool, cool, cool. Alors, lui, sa taille, est-ce qu'elle est marquée quelque part? Non. Donc, je vais vous le mesurer tout de suite, avant de vous le montrer. Parce que là, il est plus grand. Donc, hop. Bon, je mesure à vue de nez, hein, à peu près. Ouais, donc 80 sur 21,5. Donc, c'est la taille du dessin là, que je vous donne. C'est 80 sur 21,5 environ. Parce que là, j'ai mesuré à vue de nez. Et il est très grand et très joli. Regardez. Il est super beau. Rempli de rose. Donc là, c'est par contre, c'est un partiel. Voilà. Donc il faudra faire les roses. Il n'y a que les roses qui se font. Donc il va aller assez vite aussi à faire. Mais il est très très beau. Il va être pratique à encadrer celui-là. Alors, il a combien de couleurs? Il a 8 couleurs. Donc, on a les références d'un côté. Alors, le 1, 2, 3, 4, 5, les symboles, les références DMC. Et on l'a aussi de l'autre côté. Voilà. J'ai oublié de... Ah, maintenant, je vais remballer. Pour dire pour la colle. Mais il n'y avait pas de rivière ni rien sur le premier kit. Ça colle très très bien. Il n'y a pas de défaut dans la toile. Non, aucun défaut dans la toile. Voyez. Bon, ça c'est normal. Hein. C'est l'enroulage dans le paquet. On ne peut rien y faire. Mais comme je dis d'habitude, un petit coup de fer à repasser avec une serviette éponge ou une pâte mouille, si vous avez des pâtes mouilles. Donc, de ce côté-là, hein, le fer, surtout pas là. Hein. Faites pas la bêtise, hein. C'est de ce côté-là, hein, le faire passer avec une serviette éponge. Même avec un peu de vapeur, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà fait la vapeur, ça ne bouge pas. Hein. Si, ça enlève les plis. Et du coup, ici, c'est tout avec des strass. Voilà. Super, il va être magnifique, je crois, celui-là. Au-dessus d'un meuble, d'un petit bahut, ça va être super beau. Donc, il y a quand même beaucoup de strass. Donc, alors, un, deux... Alors, le numéro 2, j'ai deux paquets. Le numéro 5, j'ai deux paquets.
Et les autres, j'ai un paquet. Voilà. Donc, voilà les couleurs. Bon, à peu près, puisque là, il y en a à l'envers. Hein, donc, c'est difficile de vous les montrer. Voilà, là, c'est les couleurs diamant. Donc, ça va dans... C'est un peu tous les rouges et des dorés. Et des blancs, couleurs un peu comme du diamant. Il va être beau. Ouh, qu'il va être beau. Je suis contente. Alors, allez, on fait un petit peu de bruit. J'ai envie de vous embêter aujourd'hui. Voilà, donc on va se faire des roses. Je crois qu'il va être très très beau. Et là, les impressions sont belles aussi, hein, vous voyez. Il n'y a pas de problème. Sur l'autre aussi, les impressions étaient très belles. Hop, 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 et hop. Ah, là, j'ai eu deux... Deux kits. Bon. Allez, on va le remettre dedans. On va le marquer sur mon... Alors, GBFKE. Les roses. Voilà, hop, bon, je remets pas les kits dedans, ça, je vais finir par mettre dans une boîte à part tous ces trucs-là, et voilà, allez, au suivant, celui-là, j'avais un petit peu coupé en ouvrant mon enveloppe, la grande enveloppe, heureusement, j'ai pas coupé le kit. Alors, celui-ci, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ouais, il était beau, il est beau aussi celui-là. Alors, donc c'est toujours des perles rondes. J'ai toujours le petit kit. Ouais, perles rondes. Alors ici, il est un petit peu plus grand que le premier. C'est un 30-40. Et donc l'image. Elle fait 34 sur 24. Voilà. Et ici, il est vraiment. J'aime beaucoup celui-là aussi. Ils ont bien choisi. Une jolie danseuse classique. Très belle. Donc combien de couleurs? 23 couleurs, donc pareil, 1, 2, 3, 4, là, comme d'habitude, les symboles et les références DMC, et on les a deux fois, une fois ici en haut, une fois ici en bas. Pas de feuille de route, hein, les filles, courez pas, il n'y a pas de feuille de route. La colle, elle colle. On va bien remettre le plastique. Et niveau impression, il n'y a aucun problème. Alors, attendez. Si je vous laisse le plastique, vous voyez moins bien. Voilà. Vous voyez, c'est nickel chrome. Très, très beau. Donc, j'ai dit perles rondes. Très jolie cette danseuse. J'aime beaucoup ce qu'ils ont choisi. Je regarde. Je vois pas de déchets. Je vois pas de poussière. Donc, il y a du noir. Il y a du noir. Ah bah oui, il y a du noir. Ah oui, regardez. Tout le bas, ici, c'est du noir. Youpi. Non, mais maintenant, ça va.
Je suis moins contre le noir avec ma tablette. Ça va beaucoup mieux que la tablette lumineuse. Donc ça va. Alors, je vous montre les couleurs. Ah oui, j'ai des vieux yeux, hein, que voulez-vous? J'ai plus 20 ans, moi. Hein. J'approche pas à pas du troisième âge. Hein. Dans 3 ans. 3 ans, je ferai partie du troisième âge. Eh oui. Du bleu. Voilà le noir. Encore un noir. Il y a des jolies couleurs. J'aime beaucoup. Un petit peu de vert. Là, c'est un bleu marine. Ah, là, il y a des petites perles qui se sont perdues. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est les petites bleues marines. C'est les bleues marines de là qui se sont perdues là. Ah, là aussi, il y en a une. Ah, ben, il y a des bleues marines qui se sont paumées. Je sais pas, ouais. Bon, ça, c'est pas grave. Hein. Il y a pire, hein, des fois, hein, dans les perles. C'est une perle de couleur qui se perd dans un autre sachet. C'est pareil, hein, je ne vais pas crier au secours pour ça. Hein. Voilà. Hop, et hop, et hop. Un petit bruit de plastique. Je suis sûre que vous êtes là derrière votre écran, mais vous avez envie de me mordre avec le bruit que je fais. Et voilà. Donc voilà, pareil, hein, la toile nickel chrome, un petit coup de fer et on n'y verra plus rien. Non, mais elle est vraiment belle, j'aime beaucoup. Je crois que quand elle va être faite, elle va être très belle. Voilà, on va la remettre. Bon, les petits plateaux, ça, je les remets plus dedans, c'est pas la peine. Donc, on va marquer ce que c'est. Alors, GBFKE. Je vais connaître le nom de la boutique par cœur. Alors, je vais marquer la danseuse. Voilà. Hop. Et le dernier. Et voilà. Alors, le bout. Le bout, le bout, le bout. Mes ciseaux, faire attention de ne pas couper. Ah oui, elles ont mis une enveloppe un peu juste, mais bon, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. Voilà. Moi je dis, mais même si l'enveloppe ils l'ont rafistolée ou quoi, tant que le kit est nickel, moi dedans, après le reste, je m'en. Hein? Voilà. Ah oui, c'est ça. Perles rondes, bien sûr. Bon, j'ai eu que des perles rondes. Alors, en ce moment, c'est de toute façon, c'est ma période de perles rondes. Hein, donc, ça me. Le petit kit. Je fais une collection. Alors, perles rondes. Et ici. Donc là, c'est un peu moins mon style. Mais bon. Je crois que quand il sera fait, il sera très beau. C'est vrai que c'est pas le genre de choses que j'aurais été acheter moi-même, mais quand j'ai vu la photo, je l'ai trouvé beau. Donc il n'y a pas de problème. Donc c'est un 30-40, donc c'est pareil que tout à l'heure, hein, je pense. Ça doit être 24 sur 34. Presque 25 sur 35, voilà.
Et ici, on est à Paris. Voilà, la tour Eiffel et son feu d'artifice. Voilà. Bon, là, c'est vrai que c'est pas le kit que j'aurais choisi par moi-même. Mais, je vous dis, je l'ai vu en photo, fait. Il est très joli. Une fois fait, il est très joli. Voilà. Mais c'est la Tour Eiffel, hein, c'est Paris, c'est chez nous. C'est la France. Non, mais il est beau. Il est très beau. Je vous dis, une fois qu'il va être fait, il va être très beau. Voilà. Alors, la cocole, est-ce qu'elle colle? La cocole colle. Je suis énervée hein, aujourd'hui. Vous avez remarqué? Donc, comme d'habitude, les impressions sont bien impressionnées. Complètement barjot aujourd'hui, la Didite. Non, c'est nickel. Il n'y a toujours pas de feuille de route. Hein. Mais il n'y a pas besoin de feuille de route. Le principal, c'est que vous ayez votre kit, vos perles. Et après, le reste, on s'en fout. Voilà. Derrière, c'est nickel. Un petit coup de fer passé et on n'y verra plus rien, comme d'habitude. Donc, non, j'aime bien quand même. Non, non, je rigole, mais j'aime bien. Donc, le W, je suppose que c'est le noir. Oui. Bon, il y a beaucoup de noir. Il y a beaucoup de noir. Donc là, il y a tout ce qui est ici, vous voyez, là. Là, le pied de la tour Eiffel. Là, tout ça, c'est du noir. Bon. Mais je vous dis maintenant, avec ma tablette, ça va bien. Ça ira. Bon, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, parce qu'il y a quand même du stock, hein. Mais bon. Mais entre, de toute façon, je vais les faire entre deux. J'ai refait du bruit. S'il y en a qui rouspètent, je fais encore plus de bruit. Hein. Attention, hein. Je vous ai à l'œil. Allez, je vous montre les couleurs. Hop. Voilà, le paquet noir. J'en ai deux, ouais, j'ai deux paquets noirs, voilà, un, deux, voilà. Du rouge, du rose, un petit, je vais dire bordeaux, un violet, du jaune, du bleu, bah, les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, du feu d'artifice, hein. Voilà, un marron. Là, c'est encore un bleu. Voilà, ça, c'est un bleu marine. Du rouge. Du orange. Du rose. Un rose pâle. Et un rouge pétant. Voilà. Des très jolies couleurs. Non, il va être très beau. Il va être très beau. Ah, il y en a encore un petit paquet là. Ah, un petit marron. Un petit gris parme. Et du blanc. Voilà. Donc voilà. Les quatre kits que j'ai reçus donc par la boutique GBFK. Donc, je vais vous remettre... Oh, c'est la dernière fois que je fais du bruit, hein. Alors, râlez pas, hein. Voilà. C'est donc la boutique GBFKE. Donc, je vais vous remettre tous les liens utiles et nécessaires
pour aller voir sur leur site. Voilà. Ils ont des jolies choses. Il n'y a pas de problème. Hop. Donc, n'hésitez pas à aller leur rendre visite si vous voulez. Si vous voulez pas, bon, bah, tant pis. Hein. Hop. Donc, ah oui, je vais marquer dessus ce que c'est. K-E Tour Eiffel. Voilà. Comme ça, j'ai mes quatre kits. Et ils sont notés. Maintenant, je peux les ranger en attendant qu'ils soient faits. Voilà. Donc, la petite danseuse, le chat Halloween, les roses. Les roses, il est un peu plus lourd. Et la Tour Eiffel. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour pour vous présenter les kits de cette boutique. Bah écoutez, je ne suis pas déçue malgré que j'ai pas eu que je n'ai pas pu choisir les kits que je souhaitais. Non, ils ont bien choisi pour moi. Même pour la Tour Eiffel, ça va, ça va. Je vais pas critiquer. Ça va me changer d'habitude. Voilà. Bah, les trois vont me changer de ce que je fais d'habitude. Mais non, j'aime bien. Voilà, il n'y a aucun problème. Bon, ça va être que de la perle ronde, donc ça va être très rapide à faire. C'est du petit aussi. Donc voilà, ça va être des petites récréations pendant mes grands kits. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie tous d'avoir eu la patience de me regarder et entendre le bruit du plastique. On va se retrouver donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, des remarques, des compliments à me faire, voilà. Tout se passe dans les commentaires. Je vous lis à chaque fois, je vous réponds à chaque fois avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, des petits pouces bleus pour dire que vous aimez la chaîne. Même si vous ne l'aimez pas, je m'en fous. Voilà, les petits pouces de bleu ou pas bleu, ça fait connaître la chaîne. Et maintenant, je vous fais à tous plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, bisous bisous.